Non, parce que... Voilà. J'ai les loulous qui pilent, j'entends Tyrion qui ronronte. C'est pas grave, je couperai ça au montage. Et cucu, YouTube, et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry aujourd'hui. Regardez comme cette belle maison là, c'est l'automne. Hein. Ah, c'est l'automne dans la rue, c'est l'automne chez toi, c'est l'automne chez moi, c'est l'automne chez eux, c'est beau la vie. 8 jours. 8 jours, 8 Bonjour jours. YouTube. Voilà. YouTube. J'ai déjà pas parlé. Aujourd'hui, on va... Alors, je sais pas ce qu'il a avec ses jambes, mais il fait un peu flipper. Aujourd'hui, nous allons assister au premier tour de bastonnade. Tout au YouTube. Bisous à ma maman. Exactement. Au premier tour de bastonnade pour nos aînés, c'est-à-dire Copper et Autumn. Autumn que vous pouvez voir, qui a été relooked. Et elle est plutôt mimi. Oh, ça va. On a, pour l'instant, les deux aînés sont plutôt beaux gosses. Aujourd'hui, t'as le gros tas, là. T'as Sunset, le gros tas. Alors, YouTube, bisous à la maman de Riri. Qui devrait devenir adolescente aujourd'hui. Je dis le gros tas parce que ça se voit qu'elle va... Et je suis grosse aussi, hein, je suis obèse. Hein, je préfère le dire parce que... Gna gna gna, t'aimes pas les Sims, gros. Parce que moi, j'aime pas sur moi. Donc, en fait, j'aime pas que mes Sims le soient. C'est un défaut. Mais j'en ai conscience. Et ça se voit bien qu'elle va... Hein ? Voilà. Hein ? Elle a de l'embonpoint, madame. C'est mal barré pour elle. C'est pas grave, elle ira courir après. Cluedo. Ouais, j'avoue, ça fait longtemps. J'y ai pensé tout à l'heure. Je vais faire une construction pour ma génération blanche de mon Renault l'année dernière. Je suis pas du tout inspirée. Oh, J'avais fait une construction blanche d'une vidéo que j'avais faite One Color, je sais pas quoi là. Le challenge où il faut faire qu'une seule couleur dans toute la maison, bah j'avais fait blanc. Mais je sais pas en vrai si je l'avais partagé sur la galerie. Ça remonte à loin en vrai. Donc, je sais plus. Je suis toujours Team Copper. Copper. Bah Copper, hein, Copernic. Oh c'est pas mal ça. Copper... Ah bah oui. Copper, Nick et Copper. Nick. C'était l'humour de Shirley, réservé seulement aux plus de 18 ans. C'est qui Riri? J'ai pas... Qui c'est la... Ah, Ricardo. Ah oui. Pardon. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui s'appelait Riri. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh! Ah, toi, je vais te... Alors, attends. Il vient de te hurler des mots dégueulasses sous le pif et toi, tu dis rien. Ok. Si c'est pas un père des fétistes, là, qu'est-ce que tu... Oui, alors, il est devenu vieux, Dan. Hein, c'est... Voilà. Voilà. Et Lila, Lila, encore... Oh, dans 5 jours. Oh, bah ça va. Et Lila a reçu une amende. Trop d'eau consommée cette semaine pour changer. Oh, d'ailleurs, on va avoir des putées de factures. Je le sème bien. 1005. Hmm. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tu peux pas faire du sport? Pourquoi ils peuvent pas faire de sport, les gamins, quand ils sont gamins? Je suis désolée, hein, j'ai... Ah si, tu veux regarder du sport? Bah regarde du sport. Lui fait son beau gosse. Et alors, je vais vous voir. Je vais vous présenter Autumn. Bon là, elle fait la gueule. Voilà, mais elle a été relooked. Je sais plus si on a modifié ou pas un petit peu sa tronche. Genre rajouter un peu de menton ou agrandir les yeux, une connerie dans le genre, mais vraiment pas grand chose, quoi. Elle est presque 100% naturelle. Et elle est plutôt belle gosse, hein, on va pas se mentir. Je vais regarder tout de suite. Elle est au fitness à 51%. Et lui... Ah bah lui, il va... Bah lui, lui par contre, il a rien eu à bouffer, contrairement à Sunset qui a pris toute la part. Hein. La pauvre... Tiens, bien fait pour ta gueule. Tout va bien. Ces gamins sont des thugs. Ils font que insulter, gueuler, tout ça, quoi. On est dimanche, c'est vrai. On va se faire chier avec eux pendant une journée.
Copper le meilleur. On est tous d'accord qu'elle a son thé rosé pas loin. Nah, j'ai qu'un verre d'eau. Regarde. J'ai qu'un verre d'eau. Je suis juste un petit peu fatiguée, du coup j'ai du mal. J'ai pas joué aujourd'hui. Hein. Et j'ai eu des factures à plus de 9000 simflou, ça fait mal. Ouais. Ah bah quand on s'est habitué à 300, 400, effectivement, on n'arrive plus à payer des factures aussi chères. Hein. Pas bordel, mais scandinave, c'est plus bois cocooning blanc et bois clair. Oui. Il y a un truc avec les Sims, quand ils ont des enfants en général, plus les générations avancent, moins il y a de mentons. Ah bon? Je ne sais pas. Je ne sais point là-bas. En vrai, tu vois, lui, on l'a quasiment partout. Putain, c'est cet ensemble de toute beauté. Oui, Moschino, attention, hein, orange. Ah, quelle beauté. Lui, non, on n'a pas trop retouché sa tronche. Je vais même laisser la coupe de cheveux qu'il avait quand il a grandi en jeune adolescent. Qu'est-ce que tu dis? On s'en fout, lui. Puis il s'appelle Gideon. Tu peux faire de la pâtisserie, du coup? Vas-y, fais des carrés guimauves, là, je sais pas quoi. Je suis l'agent 21, boule. Salut, Marie, comment tu vas? Voilà, hein. En attendant, on se fait un peu chier, quoi. Mais bon, c'était déjà le cas depuis 2 semaines, 3 semaines. Salut, Miss Yoko, comment tu vas? Pardon, excusez-moi. C'est nouveau, ça? C'est quoi, cette chaîne? Non, tu vas pas boire de l'eau. Je te vois, toi, des petites connes. Bah. Qu'est-ce qu'elle regarde? Télévision communautaire. Non, c'est du Sims 3, je croyais que c'était du Sims 4 à un moment. Bah bref, hein. Et lui, bah écoutez, il fait sa vie, hein, le petit Fox. Pour l'instant, Mulder, tout va bien. Ce sera son surnom, Mulder, on se demande pas pourquoi. Tu sais pas quoi faire de ta vie? Lila, elle attend que la vie se passe. Quelle beauté. Bah elle va nickel, hein. Tu veux pas nous tricoter des trucs? Tu vas pas vouloir tricoter, je le sens, vêtements tricotés. Des grenouillères pour bambins, on t'a déjà fait... Ouais, refais du rose, stop. Voilà, j'ai envie que tu tricotes pour les bambins. Vêtements tricotés. Après le rose, c'est quoi la couleur? Est-ce pas pêche? Comme ça on va les transmettre pour les futures générations. Ah bah tant qu'à faire. Ouais bah y a pas quoi. Ouais ouais. Ouais. Bah y a pas hein. Tu fais une verte, on s'en fout. Allez. T'as occupera quand en ce temps-là. Et toi, t'as que faire quoi? Bah tu vas y manger, tu vas épicer. Tac, tac, ok. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah tu feras le ménage après. Toi, tu sais plus... Oh là là, bichon. Oh, t'as fait carré guimauve. Allez, non, tu vas aller manger plutôt. Je suis même pas sûr si c'est bon, ces trucs-là, ça me donne pas envie. Hein. Carré, céréa guimauve. Je suis pas sûr que ce soit bon, cette merde. Puis il faut les ranger avant que... Sunset, l'obèse, elle bouffe tout, là. Tu feras le ménage, tiens. Pêche, oui, mais pêche blanche ou pêche jaune? Bon, déjà qu'il n'y a pas le coloris pêche dans le jeu, alors ça va être sympa. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, pas grave. Puis vert et bleu si je dis pas de bêtises. Ah bah ça va, on est arrivé dans la deuxième moitié du challenge. Heureusement. Dernière génération aura peut-être l'occasion de porter un super body tricoté par leur ancêtre si Lila fait toutes les couleurs disponibles. C'est ça. C'est pour ça, ouais. On pourra se transmettre en génération, quoi. Mais déjà, elle avait deux roses pour l'héritier. Voilà. Rose et blanc parce qu'il n'y a pas tout rose.
tu remettras en vente sur Plopsy, ce truc-là. Voilà, voilà. Bien, ça, ça, hein. Bon, après, t'iras bouffer, toi, t'iras recourir un peu. Histoire 2. Et puis, on va mettre tout de suite le jour férié. Alors, c'est où déjà, c'est là. Et je sais plus jouer, moi, tout va bien. Lundi, on va mettre le jour férié. Ouf, putain. Ouf. Anniversaire. Ajouter un jour férié. Ou un événement. Ah non. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ajouter un événement. Moi, je fais toujours l'événement social au dernier moment. Alors, thème. On va faire un jour caca. Hein, c'est bien aussi. Jour férié pour faire la bagarre. C'est où? C'est... attendez. J'ai jamais fait. Hein, c'est vrai que j'ai du mal. Mettre des déguisements sportifs. Barbecue à la rancard. Combat. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Ils pourront quand même aller à l'école. Ah, c'est elle qui fait la... Non, c'est qui? C'est lui qui fait le gogol? Ah ouais, je sais pas. Ce jogging est de toute beauté quand même. On apprécie beaucoup. Hein. Pas de soucis, Muscade. Pas de problème. Allô, l'image du match, pourquoi tu bugs? Bah, parce que t'as qu'à avoir un meilleur ordi, une meilleure connexion. Vos pronostics sur le nouveau paquet tout truc machin. Pff, sport d'hiver. Bonsoir à tous et à toutes. C'est une extension à 40 boules. On saura ça dans 6 jours, on a le temps encore. Ce serait bien un monde de montagne ski et tout travail. Ouais, bah c'est ce que moi je pense que ce sera ça. On dirait Fulbert qui courait avec son assiette. Donc c'est pas Alex qui courait avec le chat dans les bras, ça va. Sacré Fulbert. Sacré fufu. Bon, Lila, on avait dit que deux compétences au niveau 10, hein, pas 3. Bon, bah voilà, le tricot. Je m'absente 2 secondes. Je veux écouter Micron pour savoir si je peux aller à la flèche la semaine pro. La flèche d'or? Sinon, ça n'a rien à voir avec le live, Marie, hein, s'il te plaît. J'espère une nouvelle ville. Bah oui, la ville resort avec des hôtels. Et du ski. Tout ce que j'aime pas, le ski. Ah ouais, d'accord, donc ça me dit même pas bonjour. Ah, je t'ai pas vu, Sianana, excuse-moi, comment tu vas? J'avoue, je suis un peu dans le gaz, hein, donc je suis désolée, je t'ai pas vu. Bon alors, tu le bouffes ton assiette ou je t'aide à te la bouffer, là? Ah, d'accord, c'est tout. Bah écoute, Jean-Tron, là, tu vas épicer, tu vas prendre un main. Non mais, tu te crois où, toi? Va ailleurs. Est-ce qu'il a monté ses skills en bagarre? En bagarre, en 64%. Bon, il va falloir qu'elle fasse Cucu, aussi un si peu. Nana. Tu vas aller courir un tout petit peu aussi. Voilà. Ah, on voit ses jolies tenues, quand même, parce qu'on a pris du temps pour la relooked. En essayant de ne pas faire trop moche. Donc là, elle est entièrement en maille. Hein, de la maille, de la maille, de la maille. Et de la maille sur les chaussures. Voilà, voilà, voilà. Mini maison, tricot. Jeu de base. Voilà, pour ceux qui se demandent. Et là, bon, bah, c'est orange. Hein. Que ça soit, ça s'arrête à 64. Je veille au grain. ...56... Attention. Ouah. Elle est pile à 64. Bon, 63. Dans un sens, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Lavande. Oh putain, lavande. Elle est vieille. Elle est vieux. Il y a à travailler dans une heure.
Non mais réponds à ta sœur, vas-y. Tu continueras le tricot plus tard. Ça va bien? Non, 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 ça va bien. Et alors, Titi, je te vois. Hein. J'ai toujours mal au cou. Je vous avais dit une fois que ça jamais m'était fait mal ou quoi, mais j'ai toujours mal quand je tourne bien sur... Ouais. Ça passera. Torticolis. Hein? C'est tiré. Mon doudou, il fait un gros doudou, là. Regardez-moi ça avec sa petite patoune, là. Il s'éclate. Alors, les manières. Lavande a répondu des ragots juteux sur Nathalie. On est d'accord que c'est leur mère, Nathalie, quand même. Mon Lila, tu vas rester en nuisette? Va faire la posture du danseur, tiens. Allez, va m'enseigner le yoga. La posture du danseur by Lila Rainbow. Ouais, j'ai déjà du mal à faire ça. Ah ouais. Quand même. Équilibre. Le chien à tête en bas, ça va, je le sais le faire. Enfin, je sais le faire. Bah non, elle va aller en cours. Elle va aller en cours. Elle va aller bosser. Elle va gagner sa croûte. Oh, elle a perdu un niveau de célébrité. Oh, la pauvrette. Ça me fait penser à Kyle, qu'on n'est toujours pas superstar avec lui, mais bon. Arrête, Dan. Tu casses les brunes. Tu casses les brunes, Dan. Ma sœur s'appelle Nathalie. Ah! Non, je pense pas que ce soit sur elle qu'on a été mettre. Mais... Putain, mais... Espèce de vieux con. Tu me casses les bournes, toi aussi. Allez, tu vas cuisiner quoi? Des raviolis aux légumes familiales, voilà, groupe, plutôt. Bon, demain, vous allez vous castagner. Castagnette. En 3 rounds, hein, comme on avait fait pour Pulco et... non, pas Pulco. Bordeaux et Coquelicot, la génération rouge. Sur 3 rounds, si on a l'un des deux gagne 2 fois, il a gagné. On verra bien. Pas de soucis, Valouchkaya. Coucher la morphose. Un petit coup derrière la tête, Yanana. Je ne cesse de te le répéter, ça va tout seul. Dis-je alors que j'ai aucune expérience. Vous avez une préf entre les deux? Copper ou automne? Bon bah voilà, c'est barré. Kounas! Ispis dit Kounas! Pourquoi tu fais le ménage? Pourquoi elle fait le ménage? Et t'as pas le trait de ménage? Oh! Casse-couille un peu. Elle a contrôle des émotions et responsabilité. Par contre, elle a une réputation. Pas fameuse, fameuse, hein. Lui non plus. Ça, c'est parce qu'on a agressé. Par contre, du contrôle des émotions, il a rien du tout. Et alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Pause déjeuner. Il a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que doit-elle en faire? Est-ce qu'elle va à la salle de sport ou elle lit les blogs de conseils de carrière? Je les aime tous les deux. Pourquoi cette préférence sur Copper? Vous aimez pas notre petite automne? Depuis quelques temps, il nettoie un bureau à chaque fois. C'est bizarre, le bureau est propre de base. Non mais c'est parce que c'est ceux qui sont soignés normalement qui font ça. Donc c'est un nouveau bug en gros. Alors, 2 fois les blogs, 1 fois la salle de sport. Allez-y, votez dans le chat. Enfin, votez. Écrivez avec vos petits doigts bouffis. Je cherche Thierry. Vous savez que c'est un coquin, il aime bien se faire des conneries. Sport blog, ok. Pour l'instant, c'est... C'est plus le blog. Salle de sport, égalité.
Avantage blog, 4 pour 3. 4 pour toi, 3. C'est pour toi, ça sert à rien, on s'en fout. Et blog, ok, allez, on lit les blogs de carrière. Gain de performance moyen. Après, on s'en fiche un peu, hein, parce que sa carrière, on s'en fout. Voilà. Oh, elle est censée avoir une promotion. Pourquoi elle est triste? Oh, oui. Casse-burne un peu. Et toi, ah oui, non, parce que ça va lui faire son fitness, que j'allais dire, et il pourrait faire du yoga. Il s'est pas demandé. Tu peux ranger ça. Et elle va s'entraîner à faire des pâtisseries. Voilà, elle va me foutre le feu à ma cuisine, j'imagine d'ailleurs. Je peux pas aller dans le frigo, t'imagines, ma soeur, elle a le nez dedans. Oh, c'est trop dur la vie. Et t'as besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour ranger ça. Voilà, parce que je vous rappelle qu'il faut faire, il faudra maîtriser la pâtisserie avec la génération orange. Donc. Comme lui, là, il a déjà fait un petit peu. En pâtisserie, on est presque au niveau 3. Et elle débute. Donc forcément, on va foutre le feu. Pas de soucis, Paulinette. Je mange tout en regardant. Non, elle est choumie. Elle est michette. Elle est choumie, elle est michette. Oui, bien sûr. Elle est mignonne. Malheureusement, elle a pas les yeux de ma main. C'est triste. Alors, feu ou pas feu? Suspense est intenable. Non, pas feu. Yo, c'est bien ça. Ah oh putain, mais ils sont chiants ces gosses. Et elle fait des normaux en plus. Tu vas me ranger ça et tu vas refaire de la pâtisserie. Des biscuits au sucre, voilà. Je vérifie qui c'est qui aura envie d'aller foutre son nez dans le. La personne veut aller dans le faire du. Des gâtales là, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah parce qu'il faut qu'elle se serve dans le frigo. Oh là là, c'est difficile la vie. Tu me diras tant qu'il fait pas de gâteau, lui ça va. On est sauvés. Allez. À toi si tu t'ennuies, tu peux faire ça. Ça c'est moi. Non, je suis mon gâteau. Du week-end. C'est pas vrai. Bon allez, active-toi là, Georgette! C'est pas en regardant la patte qu'elle va se faire toute seule, hein. J'ai peur. I am afraid because, you know, a fire is si bien vite arrivé. Oh là! Oh, ça c'est pas bon ça. Eh, ça se voit. Et niveau 2 de la pâtisserie, eux. Ah, tu sais ça, tu peux les jeter, hein. Ils sont pourris, tu les jettes. Comme dirait, comment ça s'appelle? Tu vas me faire du pain. Ah non, pas toi! Oh mince, je me suis trompée. Tu vas me faire du pain. Alors on le jette. Comment ça? Les gâteaux sont abîmés? On les jette. Sur le carton. Des bisous Guillaume, à bientôt. Toi, je t'ai. Comment ça me plaire, ces gosses, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Elle passe par une phase méchante pour changer. Et Lila est rentrée. Oh Lila. Lila, Lila, la, 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 tu vas aller manger. Le vieux aussi.
Ah bah non, elle a réussi à faire du pain dégueulasse. Mais comment c'est possible ça? Enfin, vous me direz, j'ai essayé qu'une seule fois de faire du pain, c'était pas terrible. Allez, tu peux me le jeter du coup. Peux pas réussir du premier coup, hein. J'ai réussi à faire une brioche du premier coup. D'ailleurs, j'ai jamais refaite. J'ai été tellement réussi au premier coup, je me dis que forcément, après ça ne réussira pas. Voilà. Chercher de la nourriture. Non mais ça va bien, oui. C'est quoi cette fille dégueulasse? Ah, puis il est dégueulasse ce chiotte et tout. Mais c'est quoi cette famille de crades là? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, tu vas nous faire la posture de la demi-lune. Ah bah oui, bah elle est entière là pourtant. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah, c'est ça! D'accord. La planche latérale. Hey, agent 21, cucu Charlie, agent 21, cucu les petits loulous, vous allez bien? Et la Agent 21, boule. posture du cadavre après. Coucou, Madame J, comment tu vas? Ça va? Ça va, moi, ça va. J'ai un gâteau au yaourt à faire pour demain. Une fête d'anniversaire à l'école de mon fils. Et comme il a eu 7 ans lundi, je fais le gâteau. Oh, bah bon anniversaire à lui, un petit peu en retard alors. Alors ça, c'était la planche latérale. Oui, bah oui, normal, tu me diras. Par contre, la posture de cadavre... Comment sont les cadavres dans les Sims? C'est celle-là? Ouais. J'arrive à la faire, celle-là, ça va. Je suis plutôt doué même. Bah, avec plaisir. Je suis plutôt doué à la posture du cadavre, moi je la maîtrise. Hein. Triangle. Normalement, c'est jambes écartées, avec un bras comme ça et l'autre comme ça, je crois. Je crois, je suis. Ah, j'étais. Je l'imagine autrement, mais j'étais pas loin. J'ai essayé de faire du yoga. Essayé. C'est très compliqué de trouver comment dire? Des vidéos pour débutants, ultra débutants, qui sont absolument pas souples et qui ont très vite mal aux genoux. C'est quasiment, ça n'existe pas d'ailleurs. Chien, la tête en bas. Ah, mais j'aurais pas levé la jambe, moi. Moi, je. J'aurais pas fait ça. Posture du pont. Vas-y, fais-moi un pont. Avec ses chaussures qui disparaissent et qui réapparaissent. Ah, oh, oui, d'accord. Oui. Non. Oh la vache. Moi, je fais ça. J'ai la colonne vertébrale qui fait. Tu sais, comme les ballons de baudruche, là. Bah, ça fait ça. En dehors de mon corps. Bah, elle pue. Ouais, elle pue! Putain. Ah! Bah tiens, tu pourras réparer, tu pourras essuyer, tu pourras nettoyer. T'as du taf. Ah, c'est habillé la petite là! Bon, alors heureusement qu'on voit pas leur culotte. Hein. Comment elle pouffe. Dégueulasse. Quand est-ce que tu. Elle clignote pas encore! Je suis vivement qu'elle clignote, hein. Comme ça, on aura une nouvelle adolescente. Et puis là, lundi, là, ils vont aller se bastonner. Ça va donner un peu de punch à ce challenge. Parce que dans 5 jours, lui devient jeune adulte. Parce qu'en fait, la génération orange doit vivre dans un appartement avec travaux nécessaires pendant la période de jeune adulte. Donc en gros, faudra qu'on. Voilà. Faudra pas laisser traîner, quoi. Après, il y aura juste lui à faire grandir, hein. Tu grandis quand? 3 jours! Oh yes! Ah bah c'est bon, alors ça fait que même si c'est Copper qui gagne ce soir, et eh ben on pourra commencer très bientôt quoi. Ça c'est cool. Salut Rocky, comment tu vas? J'ai pas eu l'image, mais vu ta description, mon imagination a bien travaillé. Non mais j'avais pas l'image. Pas de soucis, si non non. Si non. Moi je suis la team automne. Bah ouais, c'est mieux les filles. Puis c'est mieux parce qu'on a plus de jours pour réussir leur génération, vu que comme elles font des chiards à tire-larigot. Way Écoute, prends un bain de mousse, t'as raison. Ah, je suis contente, lui, il va grandir bientôt aussi. Ça, on va enchaîner tout et tout, c'est cool. T'aides bien. Là, on fait ça aujourd'hui, le premier tour de baston. La semaine prochaine, ce sera le deuxième tour de baston, je pense, du coup, quasiment, on va faire.
Et puis là, dans 2 semaines, on commence à gêner Orange, officiel. Voilà. Ce deuxième tour de baston. Et puis, ouais. Oh, le retour d'Elisabeth the Player! Elle s'était désabonnée. Oh, sur YouTube. Oh, je l'ai vue, Elisabeth. C'est pas bien. Mais merci à elle quand même de se réabonner. Alors, parce que pour l'histoire, Elisabeth the Player, ce fut une des toutes premières à être abonnée à ma chaîne et à me mettre des commentaires. Du coup, forcément, ça a marqué. Ça marque ce genre de choses. Hein. Quand vous êtes dans les premiers, ça marque. Je crois qu'elle a envie de faire le ménage. Oh non, c'est bon, vas-y, va te coucher. On fout du ménage. C'est Lila qui le fera, le ménage. Lila, elle dort plus là, c'est une insomniaque. Célébrer l'anniversaire de Sunset sous l'océan, le Sunset. Je vois le rayon vert maintenant. Je parle plus parce que sinon on va dire que j'insulte dans les parce que ça braille dans les escaliers donc voilà. D'ailleurs je devrais mettre la chanson début de soirée mais il y a que nous qui allons l'entendre donc ça sert. Hey Lila, on va te suivre, tu vas faire le ménage un petit peu. T'as faim Georgette? Bah écoute, vas-y hein, s'il te plaît. T'as pris quoi? Oh, ravioli aux légumes de ton mari. Pourquoi? Il y a quoi qui pue? À part ça. Bah nettoie, hein. Écoute, si tu trouves que ça pue, tu nettoies. Hein. Et enlever la nourriture gâtée. Ah! C'est la journée caca aujourd'hui! Qui est content? Lève la main! C'est la journée caca! Qu'est-ce qu'on aime ça? Ta-da-na-na-na-na-na. Et elle va aller se coucher quand tout le monde se lève pour Danette. Ce qui est la logique même. Tu clignotes alors, ça, boire de l'eau, ça sert à rien dans ton état, tu sais. Tu seras quand même grosse. Hein. Je te laisse ta journée caca. Ben non, elle dit oui, tu sais. Genre, elle est folle, cette fille. Elle clignote! La 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 la! Est-ce qu'on a encore du gâtal? Avec des bougies. Il semblerait que oui, on a un gâteau pourri. Avec des bougies. Voilà, alors, gâteau pourri ou beau gâteau? Qu'est-ce que vous dites? On utilise le gâteau pourri pour Sunset ou le beau gâteau? Lui, il est pourri, lui, il est beau. Donc, quand même. Ah oui, elle est obèse. Hein, on peut... Elle va devoir faire du sport. Hein. Après, je la... si c'est pas mon héritière, je m'en fous, mais. Moisi pour Sunset, elle sera pas tentée pour le manger. Oh la saligote! T'es la seule à dire ça. Mais j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Allez, on va prendre le pourri pour Sunset. Allez, rien à foutre. Ah, rien à foutre. Rien à foutre. Allez. Va pas faire la gogole. Oh, attends, ton frère, il va manger un truc. Ah, je vous jure. Mais qu'est-ce que... Mais il me casse les couilles, lui. Hein. Et Dan, franchement, juste parce qu'il ramène de la thune, hein, qu'il est encore là. Ah, bah il a encore reçu une amende, tiens. Et c'est tous les jours qu'on reçoit une amende, hein, c'est incroyable. Oh, vivement qu'on déménage. Hein. Mais mange toi aussi! Gaston, qu'est-ce que tu fais? Ouais, il a trouvé une assiette, il s'est dit. Enfin, je rappelle que je suis maman. Oh, bah oui, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien et les gens qui ont dû assez d'autodérision et de second degré
pour oser dire des trucs comme ça sur les enfants, parce que non, ce n'est pas, ce ne sont pas des, des êtres sacrés. Faut arrêter. Saba, Venish, Sabo, Ukwam, Shalid. Allez, tu viens? On va se fêter l'anniversaire de ta fille. Ouais. On peut se coucher plus tôt, elle aussi. Hein. Bip, 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 bip. Les factures, 1005. Nouchi Kwenoho. Tu t'habitues, hein. Je vérifie parce que elle, elle dort encore. Est-ce que tu... Allez, viens, c'est bon. C'est l'anniversaire de ta sœur. Vous venez tous là. Noba Aspook. Enafku flouf kafnouf louf. C'est des merdeux pour certains. Ah oui, ça, c'est sûr. Plus qu'on ne saurait le dire d'ailleurs, parce que non, ça se dit pas, tu sais. Merde, mais je fais déjà ça alors que je vais pas demander de souffler ses bougies. Allez! Les drons! Oh, je suis méchante. Je suis méchante. Alors! Bravo! Happy birthday, sunset! Happy birthday, sunset! Oh non! Qu'est-ce qu'elle pue, cette adolescente! Oui, moi, de toute façon, je suis le plus beau. Ah, oh, c'est la fête! Je vais bientôt devenir vieille! Excusez-moi, je fais les légendes. Sont où les autres? Rien à foutre, je suis le roi, je t'emmerde! Ça, c'était pour la petite ref. J'ai l'impression de voir Nathalie et Lila. Alors, ennemi public, il me semble que c'est. Ennemi public, sûre d'elle. Malheureusement, elle va avoir un trait de marde. Je vais mettre les règles parce que je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a Glouton. Tu notes Berry. Pourquoi je suis sur la page 47 moi aussi? Pourquoi je me fais du mal comme ça? Alors, sûr de lui, malveillant et glouton. On va mettre le malveillant parce qu'elle est déjà assez gloutonne comme ça. Donc à un moment donné, on va se calmer sur la gloutonnerie. Elle sera gloutonne quand elle sera plus grande. Et merci Neko Mimi pour ton follow. Bienvenue à toi. Oh la tronche. Oh, regardez cet arrêt sur image. Ils sont beaux. Elle est contente, lui content, elle est contente. Lui, il n'a toujours rien à foutre. Eh ben, elle est bien en chair, hein, cocotin. Oui, ça. Ça. Ouais, c'est mon anniversaire, ouais. Il est où, mon iPod? Bah, on dirait sa sœur, en vrai. Elle est assez similaire à sa sœur. Allez, bon anniversaire. Tu vas courir. J'aime pas Sunset, mais pourquoi? Pourquoi tu l'aimes pas? T'aimes pas les grosses? C'est ça, c'est de la grossophobie, ça, Love Sims. Dit-elle alors que depuis tout à l'heure elle la traîne en PS. Ah vache. Bon, les sourcils ça va pas, hein, on est d'accord. Bon, vous vous remettez au top là les deux. Tu peux jeter ça, c'est un gâteau dégueulasse. Bon, elle est encore en train de bouffer, d'accord. Tout va bien. Ça, et tu iras te laver rapidement. Ça, tu seras nickel. Et après, on va procéder à la baston. Ah, elle a des bonnes joues et pas que. Des bonnes joues, un bon fessard. Ah bah tiens, tu continues de courir, oui. Et un bon bide. Bah, on dirait moi, remarquez. Rien, elle a plus de ventre que de seins. C'est moi. Je suis en train de réaliser un truc. Oh oui! Oh le pétard! Ma zette, je savais pas qui. Waouh! C'est rebondi là-dessous, hein, la vache! Waouh! Non, mais sa sœur, elle est pas aussi rebondie que ça quand même, hein.
Bon, tu finis de bouffer ou t'es tombé sur une assiette magique là? Salut Angou Démonia, comment tu vas? C'est la faute de son père, il a tellement fait de gâtal, c'est pas faux. Du coup, ils ont bouffé que ça. Ah, mazette. Ok, bah tu vas aller te... Voilà, tu vas aller faire pipi et te doucher. Pas de raison. Ils seront nickel, regardez, ils seront tous les deux bien, ils seront heureux. Voilà, il y a que lui qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, oh, c'est sale. C'est pas grave, rendez-vous dehors maintenant les enfants, on va procéder à la baston. Premier round. Quand elle aura fini de se doucher, évidemment. Allez, go, cocotte! Vous allez discutailler. Ah bah, elle part déjà confiante. Ah bah. Direct, hein. Ah, le jeu, il a compris. Il se dit, ah oui, 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 tu veux les faire bastonner. Je comprends. Donc, on va les faire se bastonner. Le truc, c'est qu'elle est confiante. Donc, elle risque de gagner le premier round. Parce qu'elle est sûre d'elle. J'ai dit. Je lui ai mis quoi, lui, comme trait? Il a peut-être pas le trait sûr de lui. Si, si. Ah, ils ont les mêmes. Attendez. C'est chiant, tous ces machins, là. Non! Lui, il a le malveillant, et là, la gloutonnerie. Ils vont se discuter, voilà, c'est mignon. Et puis après, ils vont se battre. En là, c'est tendrement. De l'amour entre frères et sœurs, et puis... Et puis finalement... Exactement! Bonne bronchite! Ah merde! On dirait le cul des filles de télé-réalité tout refait. Non mais elle, c'est bien, c'est du bon gras. Mais cours! Jocelyne! Putain, je vous jure, j'ai l'impression de me voir. C'est incroyable. Oh! Oh, c'est mignon! Oh, regardez. La pré-baston. Ça commence toujours par un câlin entre frères et sœurs. Avant de se bastonner pour le titre d'héritier. C'est beau. C'est très très beau. Ça suffit, c'est bon, ça suffit, j'allais dire. Alors, je regarde, elle est toujours confiante, hein, j'y peux rien. Tu vas faire le premier combat. Merde. Parce qu'en fait, je veux mettre le Blum Pop sur lui, comme ça on voit tout bien ce qui se passe. Premier round sur 3 pour le... Et ben voilà. Pronostic. Je reviens pour la baston. Tapez. Oh, 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 je pense que c'est lui. À quoi que... Et c'est lui qui a gagné. Copper a gagné ce premier round. Cette première manche. Comment ils se sentent? Elle est toujours confiante. Il est toujours confiant. Enfin, il est confiant. Comme quoi, partir confiant en confiance ne veut pas dire gagner le round. Voilà, voilà, voilà. On reste plombri. Il saute d'humeur, d'accord. Casser les couilles avec ses sautes d'humeur. Au bord de la crise. Ah bah voilà, il est tout chiant. Tu vas être calmé. Tu vas être calmé. Calmé comment, je ne sais pas. Dans une douche peut-être. Tu vas te prendre une douche. Allez. Elle. Bah, écoutez, elle va bien. Parce que bon, faut qu'il soit à peu près pareil. Hein, parce que si lui il est tendu, bon, c'est pas bon. Moi, tu casses les couilles, t'as intérêt à gagner, hein. Je te le dis, moi. Module de Cooper. Round winner is... First win... À quoi? Round 1, très winner is Cooper, c'est ça. Faut que tu te défendes, sinon il n'y a pas de suspense, d'accord? Faut que tu gagnes le deuxième. Kate, il va se détendre et il va revenir. Après, c'est une saute d'humeur, donc je suis pas sûre que... Ouais, plus 50.
pendant 6 heures. Il a bien choisi son moment, lui. Casse-couille. Oh là là, drama queen de mes fesses. Ah non, je crois qu'il y a, il y a un truc là. Ouais, essaie de te calmer là. Allez, c'est bon. On peut passer à la suite. Elle regarde la téloche. On est parti pour le deuxième round. Ici, si vous voulez bien assister, s'il vous plaît. Go Foxy, pourquoi Fox? Non mais lui, il boit un verre d'eau, voilà, et après il va se pisser dessus, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle aussi, elle boit un verre d'eau? Non mais, va courir. Oui, je suis horrible! Et alors? J'ai jamais dit que j'étais sympa, hein. Surtout si elle me ressemble, je vais encore moins lui laisser une chance de... Hein? Non, tu laisses ta mère tranquille. Toi aussi, tu laisses ta mère tranquille, ça suffit, oui! La bastonnade. La bastonnade. Aider à améliorer la mauvaise relation. Ben, il y en a pas mal. Allez, Joby Joba. Boaton. Grave. Accusé de toucher à ses affaires. Non, tu vas partager un secret. Ils vont discuter. Ça va être mignon. Ça va être... Oh, ma sœur, que je t'aime. Que je t'aime. Tu sais, il s'est avancé vers elle, elle a reculé, j'ai dit, je crois qu'elle a peur de lui. T'es gentil avec Sunset, tellement. Je devrais lui faire payer doublement de ce que... Oh, ils sont bons amis. Allez, c'est toi qui vas initier la baston. Round numéro 2, round 2. Ta 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 ta. Oh oh. Oh la vache. Oh la vache. J'ai peur. Oh putain, ça fait mal. Yes! Égalité. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Qui êtes-vous, mademoiselle? Madame, peut-être? Une adulte. Bon, bah, on va... Ça, c'est bon! C'est une égalité! Le suspense est tant qu'à son comble! Et il va falloir faire un troisième combat pour qu'on puisse les départager. On va leur laisser un peu souffler. Bon, c'est bon, on a du sou. On va remplacer. Tira aux toilettes. Tira faire un pipi comme un champion. Et elle... Elle est mortifiée, donc c'est bien, elle va se donner des paroles d'encouragement. Elle aussi a une saute d'humeur, d'accord, c'est super, hein, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Elle est dégueulasse. Elle va te laver, Cradock. Oh, purée. Laisse tomber. C'est toi qui pue, ouais, c'est ça, Gertrude, oui. Ouais, ouais, c'est toi qui refoule. Ah, je vous jure. Ah là là, allez. T'as gagné un combat. Il faut te ressaisir, là, ma cocotte. Allez. C'est bien, ça diminue. Suspense, là. Non, mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il se colle devant elle, là? Il est pas bien, lui? Va chialer, toi. Va ailleurs. Va mourir. Tiens, va mourir. C'est où la limite de ce quartier? Bah voilà. Ouais, va là-bas. Viens. Ouais. Quoi? J'imagine les commentaires de Nelson. Nelson, j'allais dire Mandela, mais c'est pas drôle, en fait. Je vais rien dire. Allez, cocotte! En ce temps-là, lui est en train de taper le nounours. Il s'entraîne. Non, mais lui, il a un truc contre le nounours. Hein. C'est impressionnant.
Ah non, mais allez, Gertrude! Fais pas chier ton monde. C'est bon. C'est bon? Allez, à go. La finale. La finale. Allez, on va se faire ça là. Là, ici, là, c'est joli. Là, il y a des arbres et tout. Ça va peut-être les inspirer. Attends, je regarde quel meilleur angle ici. Allez, viens. Vous venez tous les deux. Ici. Finale du premier round. Oui, je sais que c'est Nelson Montfort, mais... Mince, j'ai pas lu. Amour pour tous. Ok. Tu vas partager des photos, voilà. Toujours un petit peu de raconter des ragots. Voilà, on se fait toujours des petits trucs sympathiques parce qu'on est des amis avant tout. Et c'est, je vais laisser alors je vais laisser mon OK Google choisir lequel des deux va choisir numéro 1, numéro 2. Comme ça, qui initiera le combat, hein, évidemment. Raconter une histoire incroyable. Et discuter des sons d'intérêt. Alors, OK Google, s'il veut bien, parce que là, je peux faire du temps, il veut pas. Hey Google! OK Google! Ok ta gueule, Google. Hey Google. Hey ta mère. Choisis entre 1 et 2. Générateur de noms. Je veux pas moi. Je sais plus pourquoi mon Google il va plus. On va tirer les dés. On va tirer les dés. OK Google. Dés en ligne, voilà. On va dire que le tout ce qui est impair, 1, 3, 5, ce sera Copper. Tout ce qui est pair, ce sera elle, parce qu'elle est devenue en deuxième. Voilà. Attention, je lance 1, 2, 3. Et résultat numéro 3, donc c'est Copper qui initie la bagarre. J'ai peur. Est-ce que j'ai peur? Oui, monsieur, oui, madame. J'aime bien le cadre. Avec ses talons et sa petite robe. C'est parti, mon zizi. Salut, Rino, comment tu vas? Bah moi, toi, il se déclenche pas. C'est triste. J'avais un beau cadrage, là. Vous faites chier un peu. C'est trop drôle, la vie. Allez, c'est parti. Suspense. La mienne était silencieuse pour une fois. Ouh là 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 là. Et c'est Copper qui gagne cette première manche. Il est finaliste pour être héritier de la génération orange. Je vous cache pas que j'ai un peu la déception. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais m'occuper de la grosse. On a encore une chance avec la grosse là. Oh, je suis horrible, putain. Bon, elle est pas très mince, hein. Ça, je l'avais dit. Qu'est-ce que... Non, tu peux partir, toi. Tu sers à rien. Ils vont rentrer, ils vont manger et ils feront leur devoir. Non, il y a pas de devoir. Si toi, tu vas faire tes devoirs, tu vas bouffer, tu vas nettoyer. Ah, il faut... Ouais, bah c'est ça d'avoir bouffé trop de bonbons, hein, ma cocotte. Hein. C'est sûr. Comme moi, j'ai bouffé trop de chips et trop de pizza. Et trop de fromage, forcément. Qui dit pizza dit fromage. Ah, ça me donne envie de chips. Putain. Je m'auto-influence. C'est horrible. C'est triste.
Mets-moi ça. La joie de vivre. La joie de vivre, Sunset. La joie de vivre. Là, tu vas courir doublement, moi je te le dis. Tu vas te vider l'esprit plus vite que ça. Ce poule. En parlant de forme du, je vais m'en chercher. Bah, moi j'en ai presque plus. Georgette, t'as pas fini? Elle commence à en avoir marre, je crois. Je crois qu'elle commence à en avoir marre de courir. C'est bon, là! J'ai fait que ça toute la journée! Ouais, mais t'es pas encore assez mince à mon goût. Salut, Oniri! Re! Bah, t'as loupé... Alors, j'ai loupé quoi? T'as loupé la sélection naturelle. Ah, tiens, papa, t'es encore là? On a notre premier finaliste pour l'héritier pour l'héritage de la génération orange. Voilà, entre Copper et Auton. Voilà, notre premier héritier a été désigné. Ouais, elle va prendre un bain de mousse. Non, mais vous allez pas dormir, wesh. Vous croyez où en fait? Et lui, je vous rassure, hein, j'ai toujours l'autonomie activée. Hein. Oh. Ouais, vas-y, rentre là, vieux. Et lui aussi, il sera gros, hein. Ça se voit, hein. Ça se voit. Il sera grassouillé, le petit. C'est malheureusement... Voilà. Papa, il a fait 10 000 gâteaux, donc maintenant... Oh là là, c'est dur, ta vie. Tu pourras regarder la télé après. Hé, t'as d'autres assiettes, hein? Tu crois que t'es... Genre, il a rangé une assiette, il peut jouer? Bah non. Tu fais toutes les assiettes de la baraque, tu crois quoi, là? Puis nous, en plus, comme on aime bien jouer aux îles au trésor, là, ben, tu cherches en 10 ans. Qu'est-ce que c'est? Des biscuits à la farine d'avoine. D'accord. C'est bien aussi de bouffer de la pâtisserie pour maigrir, c'est bien. J'en sais quelque chose. Moi, je prends le tapis de course, ça va plus vite pour perdre du poids. Ah, mais je suis con, en plus. Elle peut s'entraîner au yoga. Ça marche du feu de dieu, le yoga. Dans les Sims, bien sûr. Le jour caca est terminé. C'était horrible. Oh, la vache. Oh, mais ouais, non, mais moi, j'ai ça, hein. J'ai ça, hein. J'ai ce truc-là, moi. Ouais. Ouais. J'ai plus de ventre, aussi. Il est sénile, Dan, il sait plus où il habite, c'est ça. Regarde, ah, il est rentré, il sait plus, t'es. Ah bon, je dois manger? On m'en souvient pas? Oh! Je suis affreuse. Hein. Je suis méchante. Hein. Genre plein de dislikes. Un régime au sucre et un tel pour maigrir, c'est ça. Non mais Jacqueline, tu crois que tu vas t'en sortir? Ouais, non. Elle en peut plus. Tu vas te faire une salade. Eh, va te cuisiner une salade. Oh! Comment elle a maigri d'un coup? Ah putain, si ça pouvait être aussi facile dans la vie. Il s'est lavé au moins. Ouais, ça, à moitié. Il s'est pas noyé dans la baignoire, c'est déjà ça. Je fais pire, je perds des choses, je les cherchais et ils sont sur moi cachés par mon pit, donc c'est pas mieux. Ah la vache! Ah oui, alors là! Ah, moi il sort, tu vois, il peut pas du coup cacher des choses à l'intérieur parce qu'il sort tellement qu'il arrive pas à se plier, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça fait mal. Mais elle a grave perdu d'un coup, comme quoi ça paye, hein? Hein? Ça paye. Bonne petite salade à la cire d'abeille, j'allais dire.
Ah oui, elle a maigri d'un coup là, comme quoi. Hein. C'est la demi-posture de yoga, ça l'a fait fuite. Ouais, une saute d'humeur pour changer. Tu l'as fini ta salade, Gertrude? Oh là là, mon Dieu! Elle est peut-être bizarre, oui, je sais. Bah, on remédia... On verra ça après. Je vais pas parler. Il se cache un creux dans le ventre entre montre et plus bas. Oh là là! J'ai pas envie de savoir. I don't want to know! En vrai, je boufferais bien ses biscuits. En vrai, pour moi, elle ressemble vachement à sa sœur. Eh, hey. Hey, bonne ta salade. Tu vas être calmée. Un petit peu, puis après, tu vas te coucher. Regardez-moi ça. Elle a toujours un bon petit fessard rebondi, mais... Ça ira mieux demain, va. Ouais, elle a besoin d'un looking assez intense. Oh, Bichette! Mais mange! Fais quelque chose de ta vie! Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore cliqué le truc du papier, là. Hé! Hey, Lila! Et c'est bientôt l'anniversaire de Vox! Moi aussi, Oniri, moi aussi. Bah ouais, Valushaya, je suis d'accord. C'est déjà le matin. Elle fait tellement de bruit avec ses pompes. Ils pourront faire aussi du ballon comme Lila, ça lui a bien réussi, hein. Oula, oula. Bon, ils sont déjà en cours. Hey, vous faites des amis. Et elle. Allez, vas-y. Oh, Dan, il va essayer encore en cours. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi t'es parti? Toi aussi, tu sais plus où t'habites? Rentre chez toi. Oh my god. Ouf. C'est vrai qu'il faut qu'on paye les factures. Ah bah voilà. Ah bah purée, ils ont pas perdu de temps. À peine la factrice, elle met la lettre, elle dit « Ah, moi jamais, je vous coupe tout. » Ah, il n'y a pas de temps de la poste, il n'y a pas de temps de recommander avec réception. Hein. Je sais plus comment on parle. L'empathie. Quoi? Contrôle des émotions. Mais je t'ai cliqué là! Tu peux aller payer les factures, s'il te plaît? On s'en fout, on n'ira pas aux universités. Incroyable. Oh, on a payé les factures, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle a, elle? T'es qui, toi? Ah, t'es Chantal Caillou. Ah, la Chantal que vous faites parler ressemble à ça. Vous l'imaginez comme ça? Moi, je trouve qu'elle a une belle tête de Chantal. En vrai. Moins 20 kilos en une journée. Non, oh, là, elle a perdu 7-8. Oh, bah... Ils ont des problèmes capillaires dans votre école. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bizarre, celui-là. Non, je suis plus belle d'abord. Hein? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Quoi? Résolution de conflit. J'ai rien compris. Ah tiens, tu vas nettoyer. Je vois que t'es motivée. Mais elle bosse jamais, Lila. Non, elle bosse le soir. Ah bah, puis elle bosse pas aujourd'hui, super. Super, super. Bah écoute... Ça va faire une sieste. Nous essayons d'améliorer notre relation. Merci beaucoup pour votre aide. Super.
J'irais bien saper une petite sieste sur mon canapé aussi, moi. Qu'est-ce que tu veux, la vieille prune? La vieille prune toute ridée! Ils ont vraiment des vies difficiles, hein, les Sims. Prune a répondu les ragots juteaux sur Clément. C'est qui Clément? T'es sûr que c'est notre famille? Ah c'est... Ah c'est lui, c'est le fils de Minnie, d'accord. Ah bah ça s'est reproduit là quand même. Ouais. Ça s'est reproduit, Perle. Chez Perle aussi, il y a encore un petit peu de... Voilà. Deux de ses filles, quand même. Parce que j'ai eu du mal à trouver qui c'était Clément. C'est qui Clément? Bah voilà, on a trouvé. Et bon, faut chercher dans... C'est pas forcément facile, hein. Je connais pas toute ta famille, hein. Ils sont déjà... Ouais, donc, ils sont déjà retournés de l'école. Oh, coucou, Tati. Comment tu vas? Tu vas bientôt craquer? Tu vas bientôt claquer, tu t'as quelqu'un oh, pour... Oh, tête, mais c'est ces routes fonctionnent. Visage souriant, bande de table. Route fonctionne. Ah, j'avais pas compris. Fais voir depuis Pepper. Oh. Ah, du coup, on lui a mis ce petit truc-là qui est nouveau et qui a eu la mise à jour début octobre à automne. Du coup, voilà. Elle est bien lookée, mais ça ne servira à rien parce que. Ouais, c'est ça, va te plaindre. Ouais. Toi, tu vas aller faire un petit dodo dans ton lit. Tu vas aller dormir. Vaut mieux dormir tout court que de faire une sieste parce que. Oui, non, mais c'est bon, laisse ta tati, on s'en fout. Alors, toi. Ah, oui, c'est une élongation du bras, ça. Ils puent tous ces gosses. Il y en a pas un qui va bien, vous avez remarqué? Il y en a pas un qui va bien. Je pense qu'il va y avoir du drama parce qu'ils vont tous aller se pisser ou se laver en même temps. Donc ça va faire mal. Notre semi-héritier. Je suis quand même dégoûtée. Ah bah elle a même pas eu le temps d'aller jusqu'à son lit. La pauvre. Oui, c'est Copper qui a gagné ce premier round entre lui et Autumn. Je suis un peu triste, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est le jeu qui a décidé, hein, c'est pas moi. Hein. Comme ça! On aura possiblement un mâle comme héritier à voir qui gagnera entre Sunset et Fox. Voilà, elle a réussi à ramper jusqu'à son lit. Voilà, laisser dormir un peu. Parce qu'on va lui faire aussi un peu faire la tug, hein, comme les autres. Pareil que les autres. Détester, se battre avec des gens random dans la rue. Par contre, Copper est tout mince par rapport à Sunset. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais lui, il a été privé de gâteau de son père, hein, donc forcément. C'est pour ça qu'il a développé une compétence en pâtisserie. Mais vous inquiétez pas, Fox va être dodu également. Bon, viens de le dire, Lovo Sim, c'est Copper qui a gagné. Eh oui. C'est comme ça. Oh, la pété, la pété. Ah, tu pourras les réparer. C'est bien, tu te divertis. Regardez comme il est content d'avoir gagné cette demi-finale. Il est content. Il est content.
Ça va, il est beau gosse. T'as dit bonjour à ta sœur, toi? J'imagine que oui, mais bon. Tu sais que t'as une télé devant toi, en fait, tu peux la regarder. Voilà, bah regarde-la, la télé, idiote. Toi aussi, tu peux. Je vous jure, rien, ils sont contents. Même quand il tire la gueule, il est beau gosse, j'avoue. J'avoue. C'est les gènes de Bordeaux, ça. Ouais. C'est normal, c'est la bagarre de quartier dans le hein, dans le quartier du un plan d'action, donc voilà. Bravo Lila, tu l'as maté ta sœur. Ta sœur jumelle. Ah ouais, elles sont contentes, tout va bien. Bon allez, tu vas te voilà. Tu vas te lever, cocotte. Tu vas me faire une petite doute tonifiante. Lui, il est rentré avec 1400. Écoute, tu te gères un jeu de foot là, mais tu fais ta vie, hein. T'es un grand maintenant. T'as réussi à nous faire 15 000 gâteaux tout seul, donc maintenant ça va aller. Je vous jure. Donc elle va aller agresser les passants dans la rue. Regardez, il y a déjà. C'est dommage, elle s'en va, celle-ci, parce qu'elle était déjà bien mûre. Ça, c'est Prune. C'est Prune. Prune va bientôt y passer, je pense. Hein. Ouais. Il y a ça, là, sinon. Véronique Dubois. Ah, oh, la vache. Mais elle a juste pris une douche et elle est recrevée. Tu m'épuises. Hey, viens manger un truc là, viens manger ça, biscuit à l'avoine, tu vas regarder la télé avec pour te remonter un peu. Parce que sinon... Oh, elle m'a cassé. Ouais, ça se rebat, allez. Ah, bah, la vente, décidément, t'es nul, hein. Du poids, c'est pas une descendante de ma famille. Je sais pas. Elle est partie. Qu'est-ce que c'est, ça? Charisme pour les nuls. D'accord. On peut le prendre en plus, hein. Tu serais pas enceinte, toi, des fois, hein? Bon, t'arrêtes de bouger dans tous les sens? Voilà, Yann Berry! Yann Berry, tu vas avoir les foudres de notre petite Sunset! Oh putain, la gueule! Bon, la vende, elle en a eu marre, elle se casse. Elle s'est dit, bon, attends, je passe chez ma soeur, je me fais ratatiner la gueule deux fois. Alors, ouais, d'accord. Alors, grossière. On a déjà une interaction malveillante. Méchante, laissez entendre que maman est un lama. Malice, invité à une fausse soirée. Méchant. Crier sur méchant se disputer à propos de la musique. Oui, la musique. Tant vu ta tronche, je veux dire, ta mère soit un lama, ça me dérange. Bon, disons, Nightbot, c'est quoi ce floude? Offre un cadeau méchant. Crier dessus. Insulter.
Oh, tu t'excuseras un peu. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la faire excuser. Bon, toi, tu es hors de ma vue, toi. Si tu veux que je banne Nightbo pour excès de flad. Non. De flad. Ah, Chantal! Allez! Offre-lui un prout en boîte. Oh là là, mais décidez-vous, hein. Voilà, un prout en boîte. Non, parce qu'ils foutent pas, parce que c'est à chaque fois un message différent, mais normalement, ils doivent pas se suivre. Le timer... Bon. Ah. Il y a 8 avec déjà un Sims qui ne nous apprécie pas. C'est très bien. Les zombies. Nous sommes à 9 sur 10. Discuter des projets maléfiques. Ah bah oui, vas-y. Fais-moi plaise. Il s'adore dans le chat aujourd'hui. Tu vas te moquer de la tristesse. Bon, on a déjà un sur... tu peux... Après, il peut partir. On se sera assez servi de lui. C'est très bien. Ah, une autre victime. Lucie Cureza. Je suis désolée. C'est pas la meuf de Star Wars, ça? Wesh, tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes, wesh? Oh! On te parle? C'est bon. Eh, va dehors. J'aime bien leur petit déhanché genre ça me fait marrer à chaque fois. Attendez madame, j'arrive. J'arrive, je vais vous offrir un petit truc. Ne vous inquiétez pas, c'est rigolo hein. C'est... Ça fait pas mal. Ça peut se sentir ou quoi, mais ne vous inquiétez pas. Oh vas-y toi, ta mère aussi. C'est le prout en boîte. On aime ça, nous, le prout en boîte. Je me dis que elle l'insulte et tout, puis entre deux, elle s'excuse, tu sais. Moi, ça me fait rigoler. Ah. Ça, j'aime bien la rigolade. Allez, c'est bon avec elle. Elle peut partir. Et c'est qu'elle y prend du plaisir, la cocotte. Regardez-moi ça. Ah, je vais démanger avec toutes mes dents. Il y en a même qui appartiennent aux voisins, des dents. Qui est donc ce balade? Ah, oh oui. Puis madame est enceinte en plus, c'est bien fait pour sa gueule. Allez. Et bipolaire. On aime tous sa rigolance, évidemment. Sinon, c'est pas drôlissame. Toi, t'oses te reproduire avec tes moches et que t'as les yeux marrons. Ouais. Qui c'est qui est mort, prune? Ikino Taylor. Bah, je sais, t'es pas un vrai ami parce que je m'en souviens pas qui c'est. Harpin. Ah, en tout cas, moi j'ai du crêpe à mes gamins comme vous, mademoiselle. Pouf,
Allez, tiens, dans ta gueule. C'est pour hydrater ton gosse. Vas-y, excuse-toi. Ça me fait tellement rire. Non, il n'y a pas eu d'amant. Elle a été propre, la petite nuage. Elle a été propre. Non, elle va s'évanouir. Ah, c'est bon, on est à 3 sur 4, ça va. Boum. On est à 3 sur 4, madame. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Voilà, merci, au revoir. Ouh là 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 là, ce look. Nathalie l'écolo, mais c'est la fille de celui qui a failli devenir. Ou sa femme, parce que son père étant Christophe Delacruz et Lisa Lewis, je ne sais pas. Son étant rouge, je pensais que c'était sa fille, mais je ne sais pas. Ouais, après tu vas rentrer. Rentre de Berak. Et là, c'est qu'elle retombe dans les pommes. Alors, comment va la familia sans nous? Bah, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Il y a le truc qui est cassé. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Laisse les ordures là, t'as raison. Jacqueline, tu viens bouffer? Je leur ai pas demandé de faire des devoirs. Oups. 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 Trois heures du mat. Eh bien, viens dormir, Jacqueline. Là. Ah bah non. Elle n'aura pas réussi. Une fois de plus. Nuage lila. De quoi? Non, l'écolo, c'était... J'ai dit nuage, ah, c'était... Ouais, c'était lila, pardon. Je sais plus ce que j'ai dit. J'en dis tellement des bêtises, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sort, ça débite, et ça débite, et ça débite. Hein. T'as de quoi faire le ménage, hein. Oh, regarde-moi ça. Allez. Plus vite que ça. De toute façon, on peut jouer machin, oui, ça va bien. Bon, alors, si vous avez fini vos devoirs, vous allez au lit. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Je vous jure. Hop! Sinon, elle peut pas aller sur son lit parce que t'es assis dessus. Hé, hey, cassez-vous. Oh! S'il veut, le vieux. Il se met dans la salle de bain pour manger. Fais ta vie, mec, va te... Oh là là. Le vieux. Salut, Jendo, comment tu vas? Oh, quelqu'un qui a fait du pain perdu. C'est Lila. Oh, elle est mignonne, elle prend soin de sa petite famille. À la sueur de son corps, elle se prend soin de sa famille. Allez, ça va aller en cours. Ça va avoir faim. Elle, si, elle va aller en cours, hein, mais... Allez hop, tout le monde debout. Allez, jusqu'à 8h30. Eh bien, allez, va. Elle ira en meilleur état que la veille. Puis, une fois qu'elle est au même stade que ses frères et sœurs au niveau de son aspiration, ça arrêtera là. Et Fox a grandi dans un jour, donc c'est nickel. Hein. Ce sera pour la semaine prochaine. Bah voilà, Jen. Au moins, je te l'ai dit. Il grandit dans un jour, donc ce sera pour la semaine pro. Et bonjour à la cantine. Oui, c'est ça. Oh, que schnee, les feuchnee. Et schnee, et schnee. Et schnee. T'as été te laver? Non.
Tu peux aller prendre un bain, s'il te plaît? Au lieu de pleurer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah bah! J'ai cliqué juste avant. Du coup, ça passe. Allez, donc. Faut être au taquet. Ah bah non. Ah, mais je comprends pas, il y avait de l'eau, il y en a plus. Bah voilà, tu vas puer toute la journée. Super! Et il y a même pas de flotte. Histoire de qu'on se dise, bah oui, on pourrait. Bah non, mais ça, ça sert strictement à rien, mais. Casse les pieds, tiens. On va creuser. Tu travailles aujourd'hui, j'espère? Non. Oh putain, on va être encore coincé avec elle toute la journée. Qu'est-ce qu'il a? Oh, regardez! Hein? Oh là là, un 10! Je vais faire une vidéo, là. C'est pas possible. Vidéo, on a spoilé le futur. C'est saison. Non, c'est avec un canard. Il y a un petit coin-coin! Il pense à un petit coin-coin, c'est tout. J'avais pas encore fait attention. Il pense à un coin-coin. Les coin-coins, ça dit la ferme. Eh. Une mairie. Oh là là, mon Dieu, le pack mariage pour tous. Ouais. Oh, un béret. La pack France avec cerceau, un pack médiéval. Ans, visage choqué. Incroyable. Il y a encore quelqu'un qui est chauve. Oh là là! Un pack cocktail avec cerise! Oh, génial! J'ai battu mon record sur Tetris, intéressant. Oh d'accord, toi tu joues à Tetris au lieu de... Oh, c'est pas vrai! On va voir les chiens dans les Sims. C'est sûr maintenant. C'est incroyable. Les chiens dans les Sims, regardez. Un chien avec un petit bébé. Oh, free the babies! Les bébés vont enfin sortir de leur petit couffin. Incroyable. Oh là là, je vais faire une vidéo dingue. Encore un milkshake. Wow, vivement le kit glace. Ah oh ouais. Un kit jeu vidéo. Waouh. Trop bien. Que de révélation, t'as vu ça, c'est dingue. Oh, encore un chien avec une fille. Oh là là, on va voir les chiens. Oh. On va voir les chiens, c'est incroyable, on va voir les chiens dans les Sims. Ah, c'est trop bien. Et un kit donut. Trop cool. Chouette. Et un kit années 80 avec le Walkman. Oh, ça par contre, je veux bien. Tu vas pas au boulot? Ah ouais, je suis sur pause. Qu'est-ce que c'est bête. Hé hey Jean-Claude, va boulot. Toi, t'iras te donner des paroles d'encouragement parce que tu me saoules. T'es fatigué, toi? Bah, j'y pense plus, moi, qu'elle de... Ah oui. Tu peux encore tirer la chasse, tu penses? Je vais chercher, regardez parce que. Si. Eh, tire pas la chasse. Thierry Colette. Elle était moche. Qu'est-ce que. Voilà. On peut même pas aller se baigner là. On a de l'eau à côté de la maison, on peut même pas récupérer de l'eau. Ah si, on peut récupérer de l'eau. Bah non. Bah non, je peux pas y récupérer de l'eau. Dans le Lord of the Rings, ça marche. Je peux récupérer de l'eau. Je peux pas. Bon bah, Lila, fais ta vie. Hein. Fais ta vie. Des chiens qui remuent la queue. Ah oh ouais, j'avoue. Incroyable. Je suis émis par tant de chocs, tous ces pas quoi. T'as vu, hein, c'est ouf, hein. Ah, oh, tout ce... Ah ouais, on a tout vu, là. On a trop de la chance, on sait ce qui va se passer. Il a pas le droit d'être en retraite. Oh, mais parce qu'il ramène de l'argent. Hein. On n'est pas non plus très riche, donc... En fait, tu vois, tu peux me donner ton truc pour les formations. Comment ça, mon truc pour les formations? Qu'est-ce que tu rêves? J'ai pas de truc, moi. Ah ouais, vas-y, on ramène Stéphane. On ramène tout le monde, nous. Oh là là. Oh, mais Sunset, c'est quoi cette tenue? Révélation.
l'appellation le pack ski parce que Sunset a une combi de ski. Incroyable. Je vais faire une vidéo. Mais non. C'est... Et d'ailleurs, l'eau que tu récupères dans le frigo, tu peux te la foutre sur la gueule quand même, ce serait bien, non? Comme ça, tu te laveras un peu. Non, mais c'est quoi? C'est... Hein? L'autre avec son petit bonnet... Ouais. C'est ça qu'ils ont ramené? Encore un gosse qui fait la gueule. Il est bon, il a les yeux bleus. Il peut donc rentrer dans notre foyer. La vente qui est dehors, qui attend que ça se passe. Me revoilà. Me revoilà. La la la. Ta la la la. Russia Nana. Oui, c'est bon, on a vu que t'étais là. Mais écoute, s'enthousiasmer pour des bonbons. Et frimer avec un vêtement tricoté. Tu peux manger, tu peux regarder la télé, hein. Oh, tu peux regarder la télé aussi, hein. Ah oui, hein. Oh bah c'est... Vous pouvez tous regarder la télé, hein. Oh, ils sont mignons, ils étaient en train de discuter à trois. Oh, ils sont choup-choup. Ils sont choup-choup. Ça va, 10 000, on est large. Bon, c'est bon, il faut que tu augmentes. Ah oui, 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 oui. C'est 10 000, c'est pas énorme, hein. Mais putain, mais regardez la télé, faites quelque chose, quoi, non? Oh là là, c'est dur ta vie. Ah ouais, je te comprends, ta vie est incroyablement difficile. Oh, c'est vrai que la chaîne, c'est déjà allumée, donc c'est trop dur de regarder une télé quand elle est déjà allumée. Moi, je la regarde quand elle est éteinte, parce que si elle est déjà allumée, je suis... Bah non. T'es marge de Copper, bah ouais. Ouais, calmez-vous là. Eh, ils veulent déjà se battre. Oh, la sale gosse. Allez, mon petit fox, là. Vous imaginez, maman, elle a déjà été faire pipi ou caca là-dedans et elle a pas tiré la chasse. Ça va être beau à la fin de la journée, tiens. Ils sont 6, hein, dans la baraque. Ça va mieux, toi? Putain, tu devrais te laver, mais non, tu veux faire ça, tiens. Tu vas faire le ménage un peu. J'avoue que automne est quand même vachement plus belle, hein. Ouais. C'est dommage. Après, s'il faut, on peut écarter Sunset, hein, si on la trouve vraiment vilaine. Hein. Ça va sentir le purin. Puis ça en aura l'odeur et la composition aussi. Creve Sunset, paysage urbain au coucher de soleil. Paysage urbain au coucher du soleil. Non mais va pisser. Ah ça, ok, il y avait longtemps. On est content. Mais oui, Jane, tu as raison. Elle va faire du ski. Oh, révélation, prochaine add-on ski. T'as par contre, c'est ce que pour moi, c'est vraiment ça qui va arriver au mois de novembre là. J'espère juste que ce sera pas le week-end de 20 novembre parce que j'ai ma maman à la maison et je ne pourrais pas lui dire je suis jusqu'à 6h du matin. À la limite, ils sont fous, elles sont dans la chambre. 6h du mat, je suis là en train de faire des vidéos, donc tu vas m'entendre hurler et je vais perdre du montage. Elle va pas comprendre. Ça va pas être possible. Arrête de boire. Bois de l'alcool au moins, fais quelque chose d'intéressant. Bah écoute, toi si t'es bien, tu peux faire tes devoirs. Toi tu feras tes devoirs. Toi tu feras tes devoirs. Ah, il veut pas. Casse les couilles. Tu iras te calmer. Et toi, Georgette? Ouais, tu t'es chiante à être fatiguée toutes les deux minutes. Donc, tu vas aller agresser quelqu'un dans la rue. Ah, voilà qui a tiré le gros lot. C'est Envy Richard. Bah voilà. Madame, vous avez gagné. Soyez heureuse. Oui, non. Montez sur le trottoir, c'est mieux. Parce qu'au cas où il y a une voiture, non seulement vous allez vous faire mal parler, en plus on va vous rouler dessus. Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui vous botte.
Viens pas ce qu'il bat. Vas-y, tu vas jeter une boisson directe. Ah, t'as vu comme je suis bien habillée pour aller au ski avec le prochain add-on. Ouais, ouais, t'as vu, il est rose en plus. Et comme elle dit, ouais, j'en ai rien à foutre, bah du coup, elle va l'agresser. Disant, tiens, regarde ce qu'il y a dans le verre. Ah, tiens, c'est gluant. Fais que schlurb. Putain, tu fais partie de ces badons. Non, bah non, elle est même pas au courant que je fais des vidéos et tout. Ouais, mais ça, ce sera, je pense, à la fin de l'année, ça. Au mois de décembre, au moins. Et s'excuser. Allez, mais tu connasse! Pardon, excusez-moi. Allez! Au lieu de te plaindre, là, tu perds du temps. Je vous laisse là. Des bisous, tous le monde. Agent 21, boule. Agent 21, boule. Des bisous, Oniri. Bonne soirée à toi. Elle s'excuse et après elle va gueuler. Pour les cheveux aussi. Ah bah après je suis même pas sûre qu'il y ait quelque chose pour les cheveux. Enfin si, il y a les... Si si, c'est les améliorations. Mais oui, ça viendra avant avec une mise à jour en novembre ou en décembre, à voir. Voilà, on en est au même point. Alors si tu vas t'excuser... Bon, allez, tu vas t'excuser. J'ai envie que tu t'excuses. T'as déjà une sale tête, alors en plus si t'es mauvaise, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? Qui c'est ça? Alice de la Cruz. Ah bah c'est... Non. Cette tête. Je suis hanté par le démon. Eh, tu peux partir. Voilà, hop, toi, et tu vas aller te faire une siesta de la folie. Ah, tu te sens mieux? Tu vas faire tes devoirs? Ah, voilà, parfait. Écoutez, tout ce que j'ai à dire. Après, toi, si t'as rien à faire, tu feras ça. Lui est parti dormir. Tu es quand même moins crevé que ta sœur, hein, donc il a déjà fait ses devoirs. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, à bout d'un moment? Tu iras jouer, tu iras jouer au docteur aussi, tiens. Voilà. Puis voilà! Et on est au même stade que ses frères et sœurs, donc... Et salut, monsieur R. Je prépare à manger en même temps, pas de soucis, hein, t'inquiète. Elle est pas si moche que ça, à Sunset. Non, mais après, on va la relooker après. Relooker, tout ça. Ah, on peut enfin les se laver. Lila. Va prendre un bain. Toi, tu le demandes, tu l'attends depuis plus longtemps que moi. Enfin, que les autres. Non, alors toi, du coup, tu vas y faire un petit caca en étant en colère si tu veux. Voilà. Ça va mieux. T'as la confiance, hein? Hein? C'est pour ça que t'as perdu? Kounas. Kounas. Caca, caca. Exactement. Non. Tu vas aller là, mais j'attends que ta sœur, elle finisse de laver. Ouais, voilà. Hop, c'est bon, prends une douche. Toi, tu peux aller au lit. Toi, tu t'es pas encore... Ouais. Non, mais te couche pas, Gertrude. Qu'est-ce que on peut te faire faire, toi? Viens prendre un bain de mousse. Et aller aux toilettes pendant que maman sort de là. Oui, c'est toute une gestion, hein. Qu'est-ce que vous laissez? C'est un jeu de gestion, il s'aime ça. Le vieux, il est parti se coucher. Très bien. Est-ce que tu veux faire un dîner, là? C'est servir le dîner. Du choppino. Choppino, c'est bene, ya. On parle avec les mains. J'étais en train de mater les petits culs. De me dire que c'est vraiment la meilleure réponse à abonner. Bah, je sais pas. Ça me fait plaisir que tu l'aimes. T'es va te laver! La meuf, elle rentre dans le bain, elle sort pour dire « Oh, mais je pue, bordel !»
Comment, dans quel monde c'est possible? Dans quel monde c'est réel? Oh, tu nous fais quoi, des crevettes? Arc. Ah non, j'en veux pas. S'il y a des crevettes. Mate pas mon cul. Non, mais surtout que les gens qui débarquent ici, qui comprennent pas entre l'émote de fesses et l'émote aubergine qui rentre dans la fesse, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça? Et moi qui insulte n'importe quel Sims qui passe. Oh, c'est ce qui fait mon charme. Dira-t-on. Dira-t-on, ton. Ah ouais, y a des crevettes. Non, en fait, ça me dit rien. J'ai pas envie de manger des crevettes. Ça va mieux, Germaine. Ah ouais, ça va. Ah, ça rigole. Hein. Et Fox grandit dans 0 jours. Bah c'est bien, on aura le... Il va grandir tout de suite la semaine prochaine. Ça va être rapide comme ça. Et Copper, il a envie de faire chier le monde en rentrant dans une phase. Tu vas te coucher, je t'ai dit. Et c'est bon, ça suffit de jouer dans le bain. Oh, merci Marie pour le sub à Sianana. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, à vous deux même. Et puis Smiley Bull aussi. Vous avez vu le nouveau gif de l'alerte sub. Vous avez tout vu sauf les bits au final. Enfin, je sais... Non, hier, ça n'a pas fonctionné, les bits, même quand vous mettiez 100. Des belles fesses bleues, quand même. Incroyable. Incroyable. Bah écoute, Germaine, tu peux être couchée maintenant, tu vas être contente. Allez, hop. Au pieu. Et toi, tu vas faire le ménage. Y'a que ça à faire, Lila, t'es sûr? Y'a rien d'autre à faire. Bah non. Ah bah nickel. Eh bah tu vas te coucher. Et nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est bientôt l'anniversaire de Copper. Ouais, ça va être short, hein, tout ça. Ça va se jouer à un poil de chelu, mais ça devrait le faire. Que ce soit Copper ou l'autre qui sera en finale. Je mets sur pause et j'enregistre. Je vous remercie YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère que ça vous aura fait quand même rigoler un peu et que vous n'êtes pas trop déçus de ces premiers finalistes pour l'héritage de la génération orange, qui est donc Copper. Et la semaine prochaine, avec le petit Fox qui va grandir en étant adolescent, eh ben il se battra contre Sunset. Nous, on va aller tout de suite relooker Sunset en off. Voilà, voilà. Je vous fais des très gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao !